Salut à tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un superbe tuto d'une magnifique maison moderne. Vous voyez ici, elle est ici sous nos yeux, donc une maison moderne dans les tons blancs avec également du bois. Donc voilà, je la trouve vraiment très très belle. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires en n'oubliant pas de lâcher votre petit like, petit défi comme d'habitude, 300 likes en espérant que vous allez pouvoir réaliser le défi, en espérant que cette maison vous plaise également. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette maison. On va se retrouver tout de suite pour créer cette magnifique maison. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Comme ça, vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos. C'était Kardex, on se retrouve tout de suite pour la création de cette magnifique maison. Et pour le tuto, nous allons avoir besoin des différents blocs que moi j'ai ici ci-dessous. Donc nous allons prendre le béton blanc, les escaliers en quartz lisse, les escaliers en chêne, les portes en chêne noir, les planches de chêne, les vitres noires, les clôtures en sapin et les feuilles de bouleau. Peut-être que d'autres blocs vont se rajouter par la suite, mais ne vous inquiétez pas, je vous dirai les différents blocs à prendre. Alors on va commencer directement par le bas de la maison en prenant les planches en chêne. Et on va pouvoir ici se placer à environ une dizaine, quinzaine de blocs de la route. Voilà, moi je vais me positionner à peu près ici. Et on va commencer par faire le mur droit. Donc ici, on va tout simplement faire 9 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Ensuite, on vient ici sur la gauche et on va ajouter 17 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On fait pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Parfait. Et ensuite, on peut tout simplement rejoindre ici nos deux murs. On va monter tout ça sur au total ici. Regardez, 3 blocs en hauteur. Ok, super, quand c'est fait, on peut maintenant prendre le béton blanc. On va démarrer d'ici, on va faire 1 et 2. Ensuite, on peut tout simplement faire le contour du bois, mais par l'extérieur. Du coup, on fait ça comme ça, en contournant par l'extérieur. Voilà, et on revient ici. Super. Maintenant, on peut tout simplement tout compléter avec le béton blanc. Ok, super, quand c'est fait, maintenant, on peut prendre toujours le béton blanc. On va déjà venir ici, sur la gauche, et là, on va ajouter 4 blocs, ici. 1, 2, 3, 4, parfait. Ensuite, on vient là, on fait la même chose. 1, 2, 3, 4, parfait. Et ensuite, on peut tout simplement revenir vers le béton blanc, comme ça, ici. Voilà. On complète, du coup, ici, avec le béton blanc, parfait. Quand on a ceci, on garde toujours le béton blanc. Ici sur le bas, on va laisser ici 4 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4. Et au cinquième, on peut descendre comme ça. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Hop, 1, 2, 3, 4 blocs d'espace. Et au cinquième, du coup, on fait ça. Super. Quand c'est fait, on garde notre béton blanc. On vient ici, on va ajouter 4 blocs en hauteur. 1, 2, 3, 4, on fait ça ici sur l'ensemble du mur. Ok, parfait. Maintenant, on peut reprendre notre planche en chêne. On va venir ici. Et là, on va tout simplement laisser 2 blocs d'espace. Ici, on commence du coup là. Là, on fait la même chose. On laisse 2 blocs d'espace. On va commencer ici. Et on peut démarrer du coup de là. Et on va aller jusqu'au bout en laissant hop, un bloc d'espace ici. Puis ici on revient et là on s'arrête à 2 blocs d'espace du fond pour faire ça. On fait ça sur encore 2 blocs en hauteur. Ok, super, quand on a fait ça, on peut maintenant reprendre le béton blanc. On va venir ici et on va aller jusqu'au 8e bloc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au 8e, on va faire 1, 2, 3,
4 et même 5 comme ça, d'accord. On va faire la même chose 3 blocs plus loin, donc 1, 2, 3 ici, donc on laisse 2 blocs d'espace, on refait la même chose, 5 blocs comme ça. Et on peut tout simplement venir relier comme ça, d'accord. On fait la même chose par ici, hop, on va jusqu'au 8ème bloc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, 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 on monte jusque 5, on va plus loin ici, on fait la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, et on relie, parfait. On peut ensuite enlever le bois ici, hop, là pareil, et même ici sur les côtés comme ça. Parfait, et ensuite on peut tout simplement, hop, venir ici, on relie ici, et on va relier surtout le dessus, tac, tac, et tac comme ça, parfait. Quand c'est fait, on continue avec le béton blanc, on vient ici, on va hop 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 jusque là, parfait, là pareil, on va jusque là, ensuite on peut ici déjà relier de là à là, et ensuite on peut relier l'ensemble ici de la plateforme. Hop, parfait. Ok, quand on a fait ça, on peut venir ici, donc au même niveau, hein, juste là, vous voyez, au même niveau, on fait hop, hop, et on va aller ici, hop, 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 jusque un bloc plus loin, vous voyez, que la limite qu'on avait mise ici. Donc si on s'arrête ici, ce serait ce bloc-là. Nous, on va un bloc plus loin, vous voyez, pour être au-dessus du vide. Quand on a ça, on peut venir comme ça, on s'arrête au même niveau que le béton blanc ici, vous voyez, je suis juste au-dessus, au même niveau, et ensuite on peut, hop, venir jusque là, on s'arrête, hop, deux blocs plus loin que le bois, enfin au même niveau d'ailleurs que le béton blanc qui est là, pour ensuite s'arrêter comme de ce côté-là, on s'arrête comme ça. Là, pareil, on complète déjà avec le béton blanc ici, hop, et puis l'ensemble du reste, on va le compléter également. Ok, super, vous voyez que la maison prend peu à peu forme, hein. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici, on va faire 1, 2, 3, et on va descendre tout simplement jusqu'en bas. Hop, parfait, tac, tac, et tac, et vous voyez, ça nous donne ça. Quand on a ceci, maintenant, on peut prendre les escaliers en quartz. On va venir là, on va faire 1, 2, et en fait, on fait toujours la technique du dessous. Ici, on va même sur le béton blanc, tac, hop, 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 tac, 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 hop, 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 hop. Et on termine ici, en dessous. Super. Quand on a fait ça, on peut maintenant prendre les vitres teintées en noir. Hop, on vient ici et on va tout simplement s'arrêter juste là, comme ça. Parfait. Et on peut également ici en mettre, par exemple, ici, on va en mettre deux comme ça. Parfait. Ensuite, on va continuer avec les vitres. On va pouvoir venir ici en mettre une juste là. D'accord. Puis on en met deux ici. Une, deux, là. Et encore une, deux, comme ça. On vient ensuite ici en bas, à gauche, entre les escaliers et le pilier. On va le compter ici, 1, 2, comme ça. Parfait. On va venir ici à gauche à partir du troisième ici. 1, 2, 3, 4, 5. On en met comme ça sur le coin. Parfait. Hop. Et ensuite, on peut déjà venir aussi également en mettre ici sur la grande vitre à ce niveau-là. Parfait. Donc pour les vitres à l'avant, c'est bien. Maintenant, on va pouvoir prendre, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, on va prendre les trappes en chaîne et on peut déjà venir en mettre deux ici. D'ailleurs, si vous voulez changer et pas prendre les trappes en chaîne, c'est vrai que ça fait un peu le même bois. On peut par exemple changer, hein. On peut par exemple prendre, hop, je vais changer pour une fois, tac, 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 je vais prendre celle-ci, allez, pour changer les trappes en bouleau. Donc j'en mets une là, une là. Je vais en mettre également
Ici, une, deux, trois, tac et tac, parce que là, en fait, on va tout simplement mettre des petites plantes. Du coup, vous pouvez prendre les plantes que vous voulez. Tac, moi, je vais prendre, par exemple, les tulipes roses. Et j'en mets, voilà, trois comme ça. Ensuite, on continue avec les trappes en bouleau. On va pouvoir en mettre une ici et ici. Et c'est fini pour le moment sur la façade, ok? Quand on a fait ça, on peut maintenant prendre les feuilles de bouleau. On peut venir ici, là par exemple, et on va aller comme ça, tac, et on termine ici au niveau du pilier blanc. Parfait. Ensuite, je continue avec mes feuilles de bouleau. Je vais venir juste ici, tac, je vais commencer là, je vais faire 1, 2... Je fais ça, je contourne tous les piliers ici et je termine, voilà, au niveau de... on va même aller plus loin, hop. Voilà, au niveau des vitres, comme ça. Super. Quand c'est fait, on peut venir ici en haut à gauche. On va faire la porte. On va faire 1, 2, 3, 4, vous voyez, comme ça. On va mettre des escaliers en chaîne ici et on va venir vers l'intérieur et on va mettre la porte comme ça. Parfait. Et ici, on peut par exemple mettre une barrière en sapin avec des feuilles de bouleau. Super. Donc là, si je ne me trompe pas, on a fini pour l'avant. Et on va donc passer directement à l'arrière. Alors voilà, pour l'arrière, on va tout simplement déjà reprendre nos vitres teintées en noir. Ici, on va faire un petit balcon comme ça, en venant mettre des vitres comme ça jusque là. Parfait. Ensuite, ici, je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, comme ça, et je mets des vitres teintées en noir. Comme ça, il y en a une qu'on peut par exemple laisser ouverte comme ça pour accéder directement au balcon. Super, quand on a fait ça, on vient ici, on va fermer cette fenêtre ici. Voilà. Ensuite, on vient ici, on va laisser trois blocs comme ça, vous voyez. Si je me trompe pas, non, c'est comme ça, pardon. Hop, on laisse ici. Attendez que je ne me trompe pas. Hop. Écoutez, je regarde. Ok, non, c'est bon, j'ai rien dit. On revient ici. On va laisser donc 3 blocs d'espace là. Et ici, on va faire 2 comme ça. Hop. Parfait. On va mettre des trappes en bouleau ici. Comme ça, parfait. Et ensuite, on va encore pouvoir mettre des fenêtres. Hop, ici dans le bas. On va pouvoir ici en mettre 2 en dessous de la grande vitre. Comme ça. Et puis encore 2 ici en dessous de cette vitre là. Et on met encore une fois des trappes. Comme ça. On peut ensuite reprendre des petites feuilles et on vient en dessous des fenêtres. Parfait. Comme ça. Et quand c'est fait, on peut maintenant prendre le béton blanc. Alors attendez, je me suis trompé d'ailleurs, c'est pas ici les fenêtres, on va juste les décaler. Tac, tac, on va juste faire ça. Je me suis juste trompé d'un bloc, faut juste les décaler d'un bloc vers la gauche, excusez-moi. Hop, là pareil, du coup, on décale les fenêtres. Hop, comme ça. On prend ensuite le béton blanc, on vient là, on va faire 1, 2, 3, pareil ici, 1, 2, 3, et là, 1, 2, 3, comme ça. Du coup, ça nous fait ici un petit, un gros pilier même, hein, je dirais, un gros pilier comme ça. On peut même le continuer ici, par exemple, sur un ou deux blocs, voilà, comme ça, ou trois blocs, parfait. On prend les feuilles, on vient, on fait ça, on fait tout simplement le contour de ce gros pilier avec les feuilles, parfait. Ensuite, pour le haut, ici, on reprend les vitres teintées en noir et on va refaire une petite fenêtre ici. Voilà, 2-3 blocs comme ça, avec des trappes de chaque côté, comme ça. Et là, du coup, je pense que la maison est terminée, hein. Je pense n'avoir rien oublié, alors je vais regarder. Hop. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est juste au niveau du bas. Vous voyez qu'on n'a pas d'entrée, en fait, hein, au niveau du bas. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire une porte. Hop, ici, on enlève par exemple une fenêtre. Hop, et on peut faire une porte même. On peut enlever deux fenêtres comme ça. Et faire, hop, une entrée à ce niveau-là. Parfait. Là, je vous conseille maintenant d'enlever toute l'herbe et je vais la remplacer, moi,
par des planches de bouleau et on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai donc terminé de mettre toutes les planches en bouleau. Alors si vous voulez, on peut faire l'escalier, hein, l'escalier en chaîne. On peut venir ici dans le fond, on va faire... Alors je regarde si on tombe directement. Ouais, c'est bon. Du coup, hop, on prend l'escalier que vous voulez. Moi, je vais prendre un escalier en quartz. On vient là dans le fond, on fait par exemple ici 1, 2, 3. Et on comble ici à l'arrière, comme d'habitude. Parfait. On vient, tac, et on fait ça comme ça. Et on arrive directement... au-dessus. Donc là, hop, on prend les vitres. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre comme ça. On va peut-être le faire dans l'autre sens, l'escalier. On va le faire de là pour monter ici. Écoutez, je me suis trompé, désolé. On va peut-être le faire comme ça. Ça sera quand même mieux, je pense. Hop, on va le faire du coup en partant d'ici comme ça. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, ici, on peut du coup compléter comme ça. Et ici, du coup, on arrive ici. C'est vrai qu'ici, ça donne ça, du coup. C'est pas trop grave, au pire. On va juste monter par ici. Hop. Voilà. Là, on prend des vitres, on fait tac, comme ça. Parfait. Du coup, l'escalier, juste le... Hop, le diminuer d'un bloc, hein, parce que là, ça sert à rien, du coup. Et on va juste le laisser comme ça, en mettant des planches en chaîne ici. Voilà, pour que ça fasse un peu moins bizarre. Voilà, on va laisser ça comme ça. Parfait. Ok. Du coup, l'escalier, il est là. Et là, on peut même enlever le béton blanc. Tac, 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 tac. Et mettre, voilà, du bois comme ça. Ok, super. Du coup, là, c'est fait. Je pense que on a terminé. Hop. Après, si vous le voulez ici, vous pouvez enlever l'herbe et mettre, par exemple, hop, 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 de la pierre lisse. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Par exemple, faire ça. Tac, tac, hop. Voilà, faire un truc comme ça, voilà, pour que ça soit un peu plus beau. En tout cas, les amis, c'était Cardax. Je pense qu'on a vraiment terminé le tuto. Je pense n'avoir rien oublié. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous a plu. On se retrouve assez vite pour de prochains tutos, de prochaines vidéos. Salut à tous!